aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Fifi. On est mauvais poil ce matin. alors aujourd'hui, petite vidéo, je suis allée chez Action faire mes petites courses pour mes sacs poubelles et blabla, et enfin les trucs de la maison. Et je suis tombée sur une petite, je pense que c'est une nouveauté, je l'avais pas vue avant. Fifi, merci. je pense que c'est une nouveauté, mais bon, je suis pas venue, j'ai pas été cette semaine, donc j'ai dû bon, ma mémère, mets-toi là mon bébé. Je vous le dis, elle est énervée. Il en restait que deux dans le rayon, voilà. Donc je pense qu'il y en a eu plus, hein, automatiquement. Je suis coiffée avec un râteau ce matin, moi. Et du coup, j'en ai pris un. J'ai pris un des deux parce que le deuxième ne me plaisait pas. Alors, je vais regarder sur le site combien il y avait de modèles. Si je les trouve encore sur le site. Et je vous mettrai... je vais vous mettre là. Il y a X modèles de disponibles. Si j'ai la photo de tous les modèles, je vais faire les captures d'écran et je vous mettrai les modèles en... incrustation, enfin dans la vidéo. Alors, par contre, j'ai payé ça combien? J'ai oublié mon ticket de caisse en bas. C'est dans les 3 euros, 3,69, je crois. Enfin, pareil. Je vous le remets là. Bon, bon. Madame veut que je m'occupe d'elle. Hein. La vidéo, elle s'en fiche. Elle veut que je faut s'occuper de mademoiselle. Hein, mon bébé. Hein, mon gros bébé. Qui croche bébé. Qui est gros bébé. Il y a fait longtemps que hein, t'as pas fait la vidéo. Et puis regarde, tu... oh là là, elle me met plein de poils. On va... De toute façon, si vous aimez, n'aimez pas les vêtements avec les poils, ne venez pas chez moi. Parce que on se ramasse des poils, hein, avec Fifi, Pacha, Jerry, les plumes par terre avec les osios. Ah, c'est une maison qui vit. Voilà. Alors, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que... Non, ma fille, allez, bouge. Je vais pas y arriver aujourd'hui. C'est du diamond painting. Voilà. Petit. Oui, c'est petit. Mais c'est un canvas. Alors, un canvas, qu'est-ce que c'est? C'est une toile. Est-ce que j'en ai une là sous la main? Vierge. Oui, je crois. Alors, hop, quand elle est vierge. C'est ça. Voilà. C'est ça, un canvas. C'est un petit tableau. Voilà. Donc, on appelle ça un canvas. On en fait aussi en scrapbooking. Vous pouvez faire des canvas aussi en scrap. J'en ai déjà fait. C'est très joli. Alors, bon. Vous avez le carton. Petite... fantaisie sur ce diamond painting, c'est voilà, donc le voici, et la nuit, le voilà, la nuit, il est fluorescent, ou phosphorescent, fluorescent, je sais jamais lequel des deux, enfin vous avez compris, on le voit la nuit. Alors, je vais d'abord tout déballer du plastique. Hop. Donc, vous avez un petit toolkit, hein, comme d'habitude, hein, ça, ça change pas. Vous avez un petit papier pour les explications. Alors, est-ce qu'il y a du français dessus? Oui. Donc, c'est, il y a les explications en français, hein, comment il faut faire, ici. Et ici, donc, vous avez le rappel du dessin. Avec le nombre de couleurs. Alors, ce sont des chiffres, des lettres en majuscules et des lettres en minuscules. Voilà, et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 24 couleurs. Voilà, pour un petit tableau comme ça, il y a quand même beaucoup de couleurs. Donc, on a... Bien sûr, je vais vous les montrer après, hein, les perles. Bon, je n'ai pas fait du face bureau là, parce que comme il n'y avait qu'un seul article à vous montrer.
Et voilà donc le canvas. Voilà l'extérieur. C'est du gros carton. Hein. Mais le tour, c'est du bois. Donc voilà le dessin. Donc tout ce qui est là, vous voyez ici, là, l'entourage. Avec le plastique, ça reflète. Hein. Vous voyez tout ce qui est un petit peu vert clair. Donc c'est la lettre 6. Ce sera ce qui sera fluo la nuit. Alors, niveau impression. Alors, on va essayer que ça ne floute pas. J'ai du mal, ça floute. Attendez, je vais essayer d'éteindre ma lumière. Bon, croyez-moi sur parole, c'est très bien imprimé. Et il y a bien de la colle. Voilà. La toile est pailletée. Voilà, donc plus joli, mais bon, une fois que les perles dessus, de toute façon, après. Et donc, je vais rallumer. Voilà la couleur de la toile de fond. Vous voyez, hop, marron pailleté, comme ça. Donc, le dessus, les côtés, tout ça, ce sera marron pailleté. Alors, ça, c'est le genre de toile, bah, du coup, que vous n'allez pas encadrer, à moins de trouver un cadre, mais avec. Une grosse profondeur à l'intérieur derrière la vitre. Mais c'est très rare d'en trouver. Et puis souvent, c'est du 30-30. Donc là, ce sera une toile que vous allez automatiquement vernir avant de la mettre au mur ou sur un meuble pour pas perdre les perles et puis également pour la poussière. Voilà. Donc, il vous suffira, si vous voulez le mettre au mur, de remettre un ou deux crochets. Donc, si vous en mettez un, c'est mieux. Si vous en mettez deux, c'est un de chaque côté. Vous mesurez bien qu'il y ait la même distance de chaque côté pour vous l'accrocher au mur. Voilà. On vend des petits crochets exprès pour les petits tableaux. Voilà. Si vous voulez, je vous mettrai un lien. Si j'y oublie pas, je vous mettrai un lien en barre d'infos. Voilà. Alors, les couleurs maintenant. Alors, voilà, du blanc. Alors, est-ce qu'on voit mieux sans que j'allume? Peut-être. Ça brillera moins. Voilà. Regardez pas ma tête, hein, j'ai pris la pluie ce matin. Alors, ça brille, hein. Je suis désolée. J'aurais dû faire face bureau. Voilà. Jolie rose. Un petit parme, ouais, c'est un parme. Rose pâle, du bleu vert, vin vert, un bleu. Alors ça, est-ce que c'est un noir? Non, c'est un bleu marine. Le ciel, un bleu roi, un autre bleu, le ciel. Et voilà, les phosphorescents. Donc là, bon. Il fait jour, je n'arriverai pas à vous les montrer. Hein. J'ai pas assez de... Je ne peux pas être assez dans le noir pour vous les montrer. Mais voilà, ça c'est le paquet de phosphorescents. Bleu marine, du bleu, du violet, encore du bleu et un petit parme, rose parme. Voilà pour les couleurs. Bah, écoutez, c'est des jolies couleurs. Je vais m'amuser à faire ça ce week-end. Il ne sera peut-être pas fini hein, parce qu'il y a quand même pas mal de perles à mettre. Mais je vais me faire ça un petit peu à la fois. Ça va être joli. Alors après, je ne sais pas où je le mettrai. Dans mes toilettes. Donc je ne sais pas où je le mettrai. Soit peut-être dans ma salle de bain, tu vois, ou je ne sais pas, je verrai. Mais bon, salle de bain, c'est peut-être un peu humide pour mettre un DP non encadré. Donc, je vais voir. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, dites-moi si vous en avez acheté, si vous allez en acheter, si vous en trouvez, si vous n'en trouvez pas. Dites-moi tout, hein, comme d'habitude, en commentaire. Et puis nous, bah, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.